Il y a quelques heures, sur les antennes de For You Media Africa, on vous décrivait la ville de Shanghai comme étant une ville surréaliste venant d'une science-fiction. Alors, à la question de savoir c'est quoi son secret, on vous invite aujourd'hui au musée d'urbanisme. En gros, c'est ici qu'est conçu tous les plans d'urbanisation de cette ville. Les beaux immeubles, les beaux gratte-ciels que vous pouvez apercevoir quand vous êtes à l'extérieur, les rues qui sont savamment tracées. Bref, tout ce que vous pouvez voir à l'extérieur, c'est dans cette salle que tout est conçu. Et à l'instant où je vous parle, il y a un plan qui est en cours, qui couvre la période 2017-2035. En clair, on nous présente bien évidemment la ville de Shanghai à l'horizon 2035. Alors, ce qu'il faudrait retenir, c'est que tout part d'une idée qui est par la suite mûrie et implémentée, une vision. C'est une question d'anticipation et on pense clairement et logiquement qu'aujourd'hui, les pays africains doivent se servir de ce modèle chinois dans le cadre, bien sûr, du nouveau rapport qu'on voudrait donner à la coopération entre les pays africains et la Chine. En direct du musée d'urbanisme à Shanghai, je suis Baudelaire Guéné pour For You Media.